N'oubliez pas de vous abonner pour suivre les vidéos. La région de Poitiers, de la Saintonge et du Périgord a joué un rôle important dans l'histoire des Templiers. Ces territoires, riches et stratégiquement situés dans le sud-ouest de la France, ont accueilli des commandes templières, centres économiques et militaires, et ont vu partir de nombreux chevaliers pour la Terre Sainte. Les Templiers à Poitiers. Poitiers, capitale historique de l'Aquitaine et centre culturel majeur, a été un foyer d'influence pour les Templiers. 1. Présence templière à Poitiers. Commanderie de Montarouche. Située près de Poitiers, cette commanderie était un point central pour l'organisation templière dans la région. Elle servait de lieu de formation pour les chevaliers et de collecte de ressources pour les croisades. Don des comtes de Poitiers. Les comtes de Poitiers, également ducs d'Aquitaine, ont soutenu les Templiers par des donations de terres et de richesses. Certains nobles locaux se sont aussi engagés directement comme chevaliers. Rôle de Poitiers dans les croisades. Poitiers a été un point de départ pour de nombreux croisés, notamment sous l'influence de la maison ducale. Les nobles poitevins, comme Guillaume IX d'Aquitaine, duc et troubadour, ont participé aux croisades et encouragé d'autres à suivre leur exemple. Les Templiers, présents localement, ont assuré la logistique et le recrutement pour les expéditions en Terre Sainte. Les Templiers en Saintonge. La Saintonge, région côtière située autour de Sainte, était stratégique pour l'ordre du Temple grâce à son accès à l'Atlantique et à ses ressources agricoles. Commanderie Templière en Saintonge. Commanderie de Saint-Jean d'Angély. L'une des plus importantes de la région, elle servait de relais pour les pèlerins et de dépôt pour les ressources destinées à financer les croisades. Commanderie des Gillets. Située près de Rochefort, elle avait un rôle économique majeur grâce aux terres agricoles et aux salines exploitées par les Templiers. Commanderie de la Rochelle. Bien qu'aux limites de la Saintonge, ce port était crucial pour le transport des hommes et du matériel vers la Terre Sainte. Participation des chevaliers saintongeais. De nombreuses familles nobles de la Saintonge ont participé aux croisades, soit en rejoignant l'ordre du Temple, soit en soutenant ses missions. Les seigneurs de Saint-Jean d'Angély ont été parmi les principaux contributeurs locaux à l'effort des Templiers. Les campagnes locales ont souvent servi à recruter des hommes ou collecter des dons pour financer les expéditions. Les Templiers en Périgord. Le Périgord, connu pour ses collines et ses châteaux, a également vu une forte implantation des Templiers, avec plusieurs commanderies dans la région. Commanderie Templière en Périgord. Commanderie de Condat-sur-Trincoux. L'une des commanderies majeures du Périgord, elle était un centre agricole important. Commanderie de Paulhac. Située près de Brantôme, cette commanderie est bien documentée et témoigne de l'influence templière dans la région. Commanderie de Fongoffier, près de Belvès. Ce site gérait des terres agricoles et des ressources pour financer les activités des Templiers. Commanderie de Dôme. Bien que Dôme soit davantage associé aux hospitaliers, qui héritèrent des biens templiers après leur suppression en 1312, les Templiers y avaient une présence notable. Point famille noble et croisade. Le Périgord, comme les autres régions aquitaines, a vu de nombreuses familles nobles soutenir les croisades et l'ordre du Temple. Les comtes de Périgord. Ils ont souvent offert des terres ou des ressources aux Templiers. Les seigneurs de Bénac et de Biron. Ces grandes familles ont participé aux croisades, bien qu'il reste peu de traces écrites de leur éventuelle appartenance aux Templiers. Les missions des Templiers dans ces régions. Les Templiers de Poitiers, Saintonge et Périgord avaient plusieurs fonctions. Collecte et gestion des ressources. Exploitation des terres agricoles. Taxation et gestion des dons des nobles. Participation au commerce, notamment du sel et du vin en Saintonge. Recrutement. Les commanderies servaient de centre pour former les chevaliers avant leur départ en Terre Sainte. Elles accueillaient des hommes d'armes et des chevaliers novices. Soutien logistique. Les ports de La Rochelle et de Bordeaux étaient utilisés pour expédier des ressources et des troupes vers la Terre Sainte.
Les commanderies servaient de point relais pour les pèlerins. Les archives et héritages templiers. Sources historiques. Charte locale. Les donations des nobles à l'ordre sont documentées dans les archives départementales, Charente-Maritime, Dordogne, Vienne. Chronique des croisades. Les récits comme ceux de Guillaume de Tyr ou des chroniqueurs anonymes mentionnent parfois des chevaliers issus de ces régions. Acte de la dissolution des Templiers. Les procès-verbaux des années 1310 à 1312 donnent des informations sur les propriétés templières à Poitiers, Saintonge et Périgord. Héritage moderne. De nombreuses chapelles templières subsistent, bien qu'elles aient été réaffectées après la dissolution de l'ordre. Les commandes ont souvent été reprises par les hospitaliers ou transformées en propriétés seigneuriales après 1312. Les noms de lieux comme « la commanderie » témoignent encore de cette époque. Les régions de Poitiers, de la Saintonge et du Périgord ont été des bastions importants pour les Templiers. Ces terres riches et stratégiques ont permis à l'ordre de prospérer grâce à un réseau de commanderies, à l'appui des nobles locaux et à leur implication dans les croisades. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre les vidéos. Les Templiers étaient des chevaliers membres d'un ordre religieux et militaire fondé au début du XIIe siècle pour protéger les pèlerins en Terre Sainte. Les archives concernant les individus spécifiques ayant participé aux croisades sont fragmentaires et souvent difficilement accessibles, mais on peut mentionner certains noms de chevaliers aquitains associés à des croisades ou aux Templiers. Guillaume de Sonnac. Guillaume de Sonnac, originaire du sud-ouest de la France, près de l'Aquitaine, a été le grand maître de l'ordre du Temple de 1247 à 1250. Il a participé à la 7e croisade sous Saint-Louis, Louis IX, et est mort lors de la bataille de Mansoura en Égypte. Hugues de Pin. Indirectement lié à l'Aquitaine. Bien que Hugues de Pin soit bourguignon, il a tissé des liens avec des nobles d'Aquitaine, qui ont largement soutenu les premières croisades. C'est sous son autorité que des chevaliers aquitains ont rejoint l'ordre au XIIIe siècle. Eustache de Boulogne, allié aux Templiers aquitains. Des chevaliers aquitains auraient accompagné ce leader des croisades, bien que leurs noms exacts soient rarement mentionnés dans les sources. Fouché de Chartres, chroniqueur influent. Bien que n'étant pas templier, Fouché a documenté les contributions de nombreux nobles, y compris d'Aquitaine, à la première croisade. On y retrouve des mentions de familles nobles comme celle des comtes de Poitiers. Nobles anonymes et familles puissantes. Plusieurs familles nobles de l'Aquitaine ont soutenu les croisades, soit en envoyant des chevaliers, soit en contribuant financièrement. Les comtes de Poitiers. Poitiers, cœur de l'Aquitaine, était un centre majeur de recrutement pour les croisades. La famille de Bergerac. Elle a fourni des hommes aux premières croisades. Les seigneurs de Bordeaux et Saintonge. Des noms comme Géraud de Bordeaux sont parfois mentionnés.